Bonjour et bienvenue dans la bonne adresse. Cette semaine, nous nous trouvons chez Empreinte, l'adresse parisienne des métiers d'art français. Vous me suivez ? Empreinte est un espace d'exposition et de vente qui regroupe l'éclectisme de nombreux savoir-faire. Une adresse calme et discrète, lumineuse et inspirante, située au cœur du bouillonnant Haut-Marais, à deux pas du marché des Enfants Rouges et de la rue de Bretagne. Empreinte et le Sainte-Cru Picardie, de manière générale, avec la galerie collection qui est au deuxième étage, est un lieu dédié aux métiers d'art. Donc ça passe par les créations qui sont en vente, mais aussi par la librairie, par exemple, qui propose des monographies, des biographies, des magazines, des éditions d'ateliers d'art de France, donc dédiées aux métiers d'art. Ça passe aussi par nos cellules créateurs qui sont au rez-de-chaussée, qui nous permettent, nous, de rappeler à nos visiteurs et nos clients que derrière chaque pièce que vous trouvez ici chez Empreinte, il y a de l'humain, du savoir-faire, du temps passé. Donc on a des photos dans l'atelier, pour l'immersion dans l'atelier, ce qu'on appelle des cartels qui retracent le parcours et l'univers artistique du créateur. Un immeuble de 4 étages qui a longtemps abrité une fabrique de bijoux qui travaillait pour la maison Chanel. 2 étages d'atelier, 2 étages d'habitation qui accueillent aujourd'hui la vitrine de pièces entièrement conçues et réalisées en France. Empreinte est visitée aussi bien par une clientèle de quartier que par les touristes étrangers qui, en un clin d'œil, ont la chance de découvrir la richesse d'artistes qui s'illustrent dans des domaines comme le textile, la céramique, les bijoux ou les luminaires. Notre mode de fonctionnement ici est un petit peu particulier dans le sens où on ne fait pas de sélection, c'est-à-dire que ce n'est pas nous qui allons sélectionner les créations et les créateurs. On vit au rythme des ateliers. À partir du moment où un créateur est membre d'Atelier d'Art de France, il a un droit d'exposition chez Empreinte. On se veut être représentatif de la réalité des ateliers. Donc on ne répond pas du tout à des contraintes marketing ou commerciales. Et tous ces objets s'harmonisent comme par magie. Les petits objets d'art, sortes de végétaux poétiques, côtoient des insectes minutieusement installés sous cloche et des céramiques de toutes formes. Des objets qui peuvent être accompagnés par les artistes eux-mêmes lors de journées portes ouvertes et des visiteurs qui seront interpellés dès l'entrée de la boutique par une très belle collection de bijoux. Ce qui est important dans notre offre de bijoux, c'est que ce sont déjà des bijoux qui sont entièrement façonnés en France, comme toutes les créations qui sont proposées ici, et par des professionnels des métiers d'art qui travaillent tout type de matière. Ce qui est important dans les métiers d'art, c'est la matière, c'est le cœur du sujet, c'est la transformation de la matière, et ça se retrouve aussi dans nos bijoux. Donc on a des bijoux en verre soufflé par exemple, des bijoux en textile brodé à la main, des bijoux évidemment en métaux précieux ou non. Donc c'est important pour nous cette transformation de la matière. Et notre équipe qui aime raconter l'histoire des pièces, des bijoux, mais aussi de toutes les pièces que vous trouvez ici, son histoire, l'humain qui se trouve derrière, le savoir-faire, c'est ce qui fait la spécificité de tout ce qu'on peut trouver ici chez Empreinte. Une équipe qui sait raconter l'histoire des pièces et des métiers, mais qui sait aussi faire vivre les lieux en modifiant très régulièrement les espaces d'exposition. Chaque mois, des pièces entrent et sortent. Chaque visite sera donc différente puisque la scénographie évolue au fil des mois et des pièces d'artistes exposées. Alors, on est souvent assimilé à l'art de la table et la céramique parce que, de fait, et c'est la réalité des métiers d'art, il y a beaucoup de céramistes parmi les professionnels des métiers d'art. Donc, on a une offre de céramique en art de la table qui est assez importante. Notre mission, c'est de montrer justement la diversité des métiers d'art français. Donc oui, il y a de la céramique et de l'art de la table chez Empreinte, mais pas que. Vous trouvez sur nos 2 étages et nos 400 mètres carrés toutes sortes de créations françaises. Des petits objets très abordables jusqu'à des œuvres d'art aux dimensions immenses et aux matières premières plus rares. Il y en a pour tous les goûts et pour toutes les bourses. Une visite chez Empreinte permettra, sans même acheter quoi que ce soit, de s'immerger dans le meilleur du savoir-faire des maîtres d'art français.